Joe ? Ouais ? Quoi ? C'est bien ce que t'écoutes ? T'as vu ? C'est vachement bien. J'ai beau être quelqu'un de doux, à la base, et d'extrêmement éclectique, je dois le reconnaître, dans mon iPod, il y a beaucoup de métal. Il y a aussi la BO de Footloose. Hein. Aussi. Bon, on peut en venir à ce que j'écoute en ce moment, hein? On peut? C'est bon? Vas-y, c'est ton moment. Ok. Si vous cherchez le meilleur groupe de heavy gothique, que vous en avez marre de Ghost, eh ben alors ne cherchez plus. Maquillez-vous en noir et en blanc, allumez un chandelier, hein? Préparez-vous une petite coupe de sang, disposez le tout sur une table ronde garnie d'un crâne d'homme et écoutez le nouvel album de Tribulation. 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 Le groupe suédois sort son quatrième album, Down Below, et contrairement à ce que cet extrait a pu vous faire penser, le groupe se dirige vers de plus en plus de mélodies, c'est pas évident, de plus en plus d'emphase, toujours dans un univers lugubre à souhait. Ils ne sont pas à l'affiche du prochain Hellfest, et ça, c'est un putain de scandale! Voilà, on enchaîne. John Carpenter ne réalise plus de films, et on s'en attriste, mais il s'offre une seconde jeunesse en sortant des disques, et ça, c'est cool. Celui qui a composé lui-même les BO de quasiment tous ses longs métrages sort son troisième album et, pas mégalo pour dessous, se rend hommage à lui tout seul. Voilà, il y a un peu de ça, hein, mais la musique électronique moderne lui doit tellement. Anthology Movie Themes 74-98, c'est le titre du disque, voit le réalisateur et son groupe réorchestrer et réinterpréter ses thèmes les plus légendaires, Halloween, New York 97, Invasion Los Angeles, autant de pépites qui gardent toute leur puissance en 2018. Ils sont australiens, ils sont jeunes, ils ont l'air de sortir d'une répète dans un garage, et pourtant, c'est peut-être le meilleur groupe de grunge, rock alternatif et power pop de ces 10 dernières années. Si vous aimez les Smashing Pumpkins, je crois que c'est ton cas, les Pixies, je crois que c'est ton cas, Nirvana, c'est ton cas, ou encore Weezer, c'est ton cas, il y a à peu près 100% de chances que vous trouviez quelque chose qui vous plaît dans la discographie déjà bien fournie de Violent Soho. Mais si je devais vous conseiller un album, ce serait celui qui ne quitte jamais ma playlist, Hungry Ghost, sur lequel on retrouve parmi d'autres titres cet incroyable tube. Take me under. I can't breathe if I cannot see.
Ok Joe, alors on résume, t'écoutes quoi en ce moment? Pour les gothiques au cœur tendre, Tribulation. Mmh. Pour les amateurs de cinéma des années 70 et 80, John Carpenter. Ouais. Et puis pour tous ceux qui aiment le rock, tout simplement, Violent Sorrow. C'est bien, non? Ouais, c'est bien comme sélection. C'est bien. Ça fait sérieux ou pas? Ça fait... Ouais, bien. J'ai hésité à mettre un petit bac, mais... En vrai, t'écoutes Footloose, mais... Ça va, j'assume. J'assume.